l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne change pas jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. Psaume chapitre 89, nous lisons du premier verset au 19e verset. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel, à jamais ta fidélité. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Voici ce que j'ai juré à David, mon serviteur. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrasas l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. Tu as créé le nord et le midi. Le Tabor et l'Hermon se réjouissent à ton nom. Ton bras est puissant. Ta main forte. Ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Amen. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craigne, mais il est si bon pour moi. Donne-moi, oui, donne-moi, donne-moi l'ancien évangile. Il est si bon, pasteur, donne-moi. Apôtre, donne-moi l'ancien, oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi, apôtre, donne-moi l'ancien, oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Nous le reposons sur tes mérites, mon bien-aimé Seigneur. Nous reposons sur ce que toi, tu as fait pour nous. Et c'est pour ça que ce matin, nous nous tenons devant ta face, ô notre Dieu, pour pouvoir réellement glorifier ton Saint-Nom. Merci encore parce que tu nous as inspirés au travers des chants et des cantiques. Nous t'avons glorifié et tu es venu aussi, Père Saint-Dieu.
consolé aussi nos cœurs par ta présence glorieuse, mon Seigneur. Tu as soutenu nos âmes, mon béni Père. Oh Dieu, tu as réellement fortifié nos cœurs davantage, mon roi. Ce matin, nous voulons te dire, tu es vraiment vivant. Oui, tu l'as dit dans ta parole à toi, mon béni Père Tibissant, que tu seras avec nous jusqu'à la fin de temps. Nous voyons que tu es vraiment le Dieu de ta parole. Ce que tu déclares, tu le tiens, Seigneur, et tu l'accomplis aussi, mon Sauveur. Oh, nous voulons vraiment être semblables à toi, mon Sauveur. Nous voulons réellement marcher avec toi, comme tu as marché cette terre, mon béni, Père Vissant. Nous voulons réellement faire ta volonté à toi, comme tu l'as désiré, mon béni, Seigneur. C'est pourquoi nous nous approchons davantage de toi, pour connaître ce que tu attends de nous, mon Sauveur. Nous voulons davantage apprendre de toi, ô notre Dieu. Seigneur, nous avons vraiment soif du Dieu vivant. Nous avons soif du grand enseignant, c'est toi, mon béni, Père Vissant. Nous avons soif du grand prédicateur, c'est toi, notre Seigneur Jésus. Oh, nous te désirons encore davantage. Quand toi, tu es là, tous nous asseyons, mon béni, Père Vissant. Nous voulons t'écouter, mon béni, Seigneur, nous parler, mon béni, Père Vissant. Qui connaît nos cœurs, ce n'est que toi, mon béni, Père Vissant. L'homme ne connaît pas nos cœurs, mon béni, Père Vissant. L'homme ne connaît pas nos désirs, mon béni, Père Vissant. Tu es le seul qui sonde le cœur. Sois encore béni encore aujourd'hui, Père. Souviens-toi de mon frère, souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de chaque requête encore dans le cœur encore aujourd'hui, béni, Père Vissant. Souviens-toi vraiment des larmes de ton peuple encore, béni, Père Vissant. De chaque prière qui monte devant ton trône de grâce, mon roi. Tu es le Dieu qui aime exaucer les prières. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci réellement parce que tu vis, mon Soba. Si tu n'étais pas là, où serions-nous encore aujourd'hui, mon Soba? Mais c'est parce que tu vis, Seigneur. Nous avons la force aussi, la santé, et aussi de vivre encore pour toi, Père. Merci pour chaque cantique qui a été chanté, mon béni, Père Tibissant. Merci pour chaque instrument qui a retenti, Père Saint-Dieu. Pour chaque voix qui s'élève encore devant toi, mon béni, Père Tibissant. Pour chaque main qui a battu, béni, Père, pour pouvoir t'exalter, béni, Père Saint-Dieu. Nous te disons merci, Père. Merci pour chaque cœur, mon roi. Et de nous être sincères, mon béni, Père Tibissant. Oh Dieu, parce que nous disons l'être pour toi, mon Soba. Merci encore pour ce moment béni. Nous pensons à tous nos frères et sœurs qui sont en connexion encore aujourd'hui dans différents pays, qui sont levés tellement si tôt le matin, Seigneur Jésus, pour être en connexion à cet endroit. Et partout, ils prient aussi, bénis, Père Tibissant, dans chaque lieu où ton nom est invoqué, Seigneur, qui sont aussi bénis et protégés par toi, Père. Sois béni, mon Père Saint. Merci encore pour ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que notre Dieu soit vraiment béni. Vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore avoir un jour comme celui-ci et que nous considérons comme étant une grâce et un privilège pour nous de pouvoir voir le soleil s'élever et de pouvoir être dans sa maison pour que nous puissions élever comme nous l'avons chanté au travers des chants et des cantiques et aussi glorifier son Saint-Nom pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir pour nous. Et de réaliser aussi qu'il est vraiment le Dieu présent. Comme il a dit, le Je suis m'envoie vers vous. Pas le j'étais, mais toujours le Je suis. Parce qu'il est toujours présent et qu'il est vraiment l'Éternel. Nous nous réjouissons de ce que nous avons trouvé vraiment grâce à ses yeux pour que ces dieux soient vraiment aussi au milieu de nous. Pour pouvoir réellement aussi nous consoler, nous fortifier, nous soutenir et renouveler aussi nos forces, effectivement, afin que nous ne puissions pas nous lasser, mais que davantage nous prenions courage, même dans les moments les plus difficiles, que ce Seigneur puisse être toujours celui qui nous tient et que nous voulons vraiment emboîter les pas dans ses pas aussi. Que le Seigneur vous bénisse, parce que l'amour que vous manifestez à son endroit et aussi les efforts que vous fournissez ne sont pas vains. Mais le Seigneur, notre Dieu, est celui qui récompense effectivement chacun de nous. Et nous pouvons aussi le voir, c'est toujours les problèmes du cœur. C'est que le Seigneur sonde les reins et les cœurs. Il voit réellement aussi la profondeur de ton cœur. Il voit que Dieu vous bénisse. Il voit aussi la sincérité de votre âme. Ce que nous voulons être, c'est simplement être droit de cœur, et être sincère. Et quand nous le louons sincèrement au plus profond de notre âme. C'est cela ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce qu'on ne peut pas le louer simplement par, vous savez, juste simplement par les lèvres, parce que nous ne sommes pas de ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes de ceux-là qui le connaissent. Et nous savons effectivement aussi pour quelles raisons nous pouvons lui dire qu'il est vraiment grand. Nous ne le disons pas parce que quelqu'un nous l'a dit. Bien sûr, quelqu'un peut l'avoir dit, mais nous le disons parce que nous aussi, nous avons réalisé qu'il est vraiment grand.
Nous sommes heureux d'avoir vraiment ce Dieu qui nous a accordé ce privilège de pouvoir aussi avoir une expérience véritable et profonde aussi avec lui, afin que nous puissions aussi dire aussi que j'ai goûté et j'ai réalisé combien l'Éternel est vraiment bon. Qu'il bénisse chacun de vous qui êtes venu de loin comme de près. Et j'entends mon frère Philippe avec son amen. Je crois que ma soeur Lily aussi est là aussi, avec la petite Martha aussi. Et je vois aussi notre soeur Tabitha aussi qui vient de rentrer. Je pense à tout un chacun de ceux qui sont venus de loin comme de près. Notre soeur Esther qui est venue aussi avec notre soeur et notre frère qui vous ont déjà été présentés. Nous remercions Dieu de ce qu'il continue d'attirer encore davantage et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Qu'il bénisse chacun de vous qui avez parcouru des kilomètres et des distances, effectivement, pour que ce matin, nous soyons là, afin de pouvoir aussi avoir la communion autour de la parole de Dieu. Comme je l'ai dit, sentez-vous toujours à l'aise. Nous sommes dans sa maison, pas dans ma maison, mais dans sa maison. Et sa maison, effectivement, c'est là où nous nous sentons bien, et que chacun de nous doit se sentir aussi le bienvenu. Parce que nous avons ce désir, c'est que le Seigneur, notre Dieu, continue à pouvoir nous conduire, et surtout à pouvoir réellement nous parler pour que nous puissions être rassurés, effectivement, au plus profond de nos cœurs. Parce que nous avons besoin de cette assurance pour que nous puissions avoir, effectivement, aussi la certitude, effectivement, de notre marche avec Dieu. Nous ne voulons pas rester, effectivement, dans les incertitudes, parce qu'il s'agit réellement de quelque chose de très important dans notre marche, dans notre vie. Et comme nous pouvons toujours le réaliser, le salut n'est pas une question de groupe. Le salut a toujours été une question individuelle. Chacun de nous doit arriver à pouvoir réellement se positionner sans regarder à son entour, mais soi-même, effectivement, ce qu'il en est avec lui pour son propre salut, effectivement. Parce que le jour où vous partirez, vous ne partirez pas avec le groupe. Vous partirez seul. Et même lorsqu'on parle effectivement de l'enlèvement, il ne s'agit pas d'un groupe, hein. Il s'agit des individus. Un, comme la Bible dit, deux seront dans un lit, les deux seront enlevés. Non, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Deux moudrons ensemble, effectivement, hein. L'une sera prise, l'autre sera laissée. C'est pas question de groupe, c'est question d'individu. Chacun de nous doit être conscient qu'effectivement, qu'il doit être aussi dans cette position où son intérieur, comme les Saintes Écritures nous le disent dans Romains au chapitre 8, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est écrit, hein? C'est écrit comme cela dans les Saintes Écritures. Donc, il faut qu'effectivement, que l'assurance, effectivement, vous soit donnée par les Seigneurs qui vous prouvent, effectivement, que vous l'êtes et la chose est, et c'est important pour cela, parce que souvent, on a tendance à pouvoir regarder comme nous sommes nombreux, des millions, alors Dieu est avec nous. Dieu n'a jamais été dans la foule. Non. Dieu travaille toujours avec des individus. Et ça, c'est ce que nous devons comprendre aussi. Et ces individus, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont comme ça, qui suivent comme des, vous savez, des moutons. Non, effectivement, ce sont des hommes et des femmes qui ont été convaincus par Dieu et maintenant qui se sont sentis aussi concernés. Pas qu'ils sont venus parce qu'il y a une influence de quelqu'un. Ça ne sert absolument à rien. C'est-à-dire que Dieu te bénisse. C'est-à-dire qu'ils ont eu à pouvoir entendre individuellement. Ils se sont dit, en tout cas, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Vous vous souvenez de cela? Oui, parce qu'on les avait envoyés pour aller saisir ce Jésus qu'on n'aimait pas. Ce Jésus dont on parlait toujours mal de lui, effectivement. Et quand ils sont arrivés avec la hargne pour pouvoir les saisir, vous vous souvenez? Alors, c'était des gars, Dieu te bénisse, ma soeur Lily. Et ils sont arrivés là, et puis ils l'ont trouvé en train de pouvoir prêcher la parole. Alléluia. Oh, il était dans son travail. Et là, ils l'ont entendu de leurs propres oreilles. Ce n'était plus les Sanhédrins qui pouvaient leur dire, il est comme ça, il est mauvais. Non. Ils l'ont eux-mêmes entendu. Quand ils ont entendu, ils étaient convaincus.
qui dit, moi, ramener celui-ci au Sanhédrin. Non, le Sanhédrin est dans l'erreur. C'est pour ça qu'ils sont rentrés, dit, ah, 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 pourquoi vous ne l'avez pas saisi? Jamais. Ah, j'aime cela. Il n'y a personne comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et ça, c'est, et c'est comme cela que chacun de nous, en tant que fils et fille de Dieu, nous sommes appelés, mon frère. Il ne s'agit pas, effectivement, de pouvoir être sous l'influence des uns comme des autres, effectivement, parce qu'à la fin, tu ne seras pas couronné. Parce que la Bible dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ce n'est pas la foule sur toi qui doit arriver à pouvoir combattre et savoir que je dois rester dans les règles. Si les autres, non, mais moi je dois rester dans les règles parce que si je ne combats pas selon les règles, je ne serai pas donc couronné. Il s'agit de toi. Et nous puissions réaliser que nous devons être concernés dans ce que le Seigneur, notre Dieu, dit. Convaincu, alors, nous prenons ainsi part, effectivement. C'est à ce moment-là que nous pouvons aussi dire qu'effectivement que je suis l'un d'entre eux. Vous vous souvenez? Ah oui, c'est la vérité, parce que vous vous souvenez des Zachée? Il monta sur le sycomore. Il était aussi un étranger. Vous voyez, cet immense. Alors, quand il s'arrêta là, il appela Zachée. L'homme a failli tomber du sycomore. Ah oui, vous vous souvenez? Nathanaël, vous vous souvenez? Il dit, mais d'où me connais-tu? Vous vous souvenez? Il dit, lorsque tu étais là sous ces figuiers, quand Philippe t'appela, je t'ai vu. Il le voyait, il connaissait même son nom. Zachée est étonné, il dit, non, que son nom soit béni. Il s'arrête sous ces sycomores. L'homme était au-dessus. Et pourtant, il y avait une grande foule. Il n'a pas été dans ces maisons de ces foules-là, mais c'est lui qui était au-dessus du sycomore, qui se disait, jamais personne ne peut me connaître. Je suis là, et puis ceux qui sont peut-être, mais ceux qui sont là à côté, effectivement. Mais non! Il s'arrête, effectivement. Et quand il a appelé par son nom, il y a eu l'explosion. Il dit, descends de ton arbre. Non, j'aime Dieu, mon frère. Là, Zachée ne pouvait plus, ne pouvait pas dire, je ne le connais pas, je ne l'ai pas. Non! Il a réellement réalisé que le Seigneur le connaissait. Et il est rentré dans sa maison, la vie de Zachée a complètement changé. Vous remarquerez que chaque fois qu'il touchait l'un, ou qu'il appelait l'un, sa vie était complètement changée. Les vies, c'était la même chose. Et comme ça qu'ils sont tous partis. Mon frère et ma soeur, il s'agit de l'appel du Seigneur, notre Dieu. Pas d'un rassemblement des gens ou des hommes, effectivement, que les hommes font. Non, c'est Dieu lui-même. Parce qu'il nous l'a dit lui-même dans les Saintes Écritures, nous lirons, hein. Là où se trouve le corps, là s'assembleront les aigles. On ne peut pas forcer l'aigle à pouvoir s'assembler. C'est lui-même qui vient. Il sent qu'il y a un appel de quelque chose parce que c'est frais. Oui, frères et sœurs, nous devons, comme Job l'avait dit, mon oreille avait entendu parler de toi. C'est pour ça que j'ai parlé de choses simplement qui me dépassaient. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pour ça que je me repens. Alors nous comprenons qu'il s'agit effectivement pas de pouvoir simplement avancer comme ça, comme tout le monde, mais il s'agit de pouvoir réellement comprendre en réalité ce que c'est Dieu est pour nous. C'est ça l'erreur qu'en fait que les enfants d'Israël ont eu à pouvoir commettre. C'était la foule en fait. Ils sont bien sortis, mais n'ont jamais très bien saisi en fait réellement que c'était une question de pouvoir réellement croire, toi, à ce que Dieu a dit. C'est très important et pour nous aussi, qui sommes arrivés à ce temps ici, comme les Saintes Écritures le disent, je pense, dans le livre des Corinthiens, je pense, hein, où il est dit qu'effectivement, que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Nous qui sommes donc arrivés à la fin de ces siècles. Nous devons être conscients qu'il ne s'agit pas, comme nous l'avons eu à pouvoir entendre aussi, le Seigneur notre Dieu n'est pas un éboueur. Amen. C'est-à-dire un éboueur ramasse les saletés. Chose que vous n'avez pas besoin, effectivement, il va y ramasser, effectivement. Mais le Seigneur ne vient pas ramasser les saletés. Non, non. Il vient chercher un peuple. Amen, amen. Oui, nous sommes reconnaissants à notre Dieu.
Parce que c'est lui qui fait le choix. Et puis, il a vraiment dit aussi, clairement aussi, pour que nous ne puissions pas être dans le flou, mais il a dit, mais ils seront donc, c'est-à-dire que, irrépréhensibles, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, ce ne sont pas des déchets. C'est précieux, en fait. C'est ce qui est précieux, en fait, que le Seigneur, notre Dieu, cherche davantage. Et bon, nous avons été tirés de la saleté, et c'est lui qui est en train de pouvoir réellement nous parfaire, qui nous travaille effectivement aussi dans notre conception, notre logique, notre façon de pouvoir penser qui est tellement souillée. Parce que nous avons été conçus dans l'iniquité, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, effectivement, notre conscience, subconscient, notre mémoire est vraiment complètement souillée, même notre intérieur, effectivement. C'est pour ça qu'il nous a dit dans sa parole que sanctifie-le par ta vérité, ta parole est... Nous comprenons maintenant l'objectif de Dieu, en fait, ce qu'il cherche par la prédication de la parole. C'est pour ça que nous l'avons entendu dans le psaume, il dit, mais si la trompette, heureux le peuple qui reconnaît le son de la trompette. Vous comprenez? Parce que plus loin, on dit, mais si la trompette rend un son confus, qui va donc se préparer? C'est-à-dire, il faut que la trompette rende un son clair, dont on peut arriver à pouvoir distinguer ça, c'est les sons de... rassemblement. Deux trompettes. Vous vous souvenez? Les deux trompettes. Ah oui, oui, oui. Vous vous souvenez, nous l'avons lu ici, dans le nombre, hein? Deux trompettes. Lorsque celui-ci est retenti, on doit bien comprendre que ce n'est pas pour partir, mais pour le rassemblement. Donc, nous avons besoin de pouvoir réellement avoir ce discernement de l'esprit. Oh oui, mon frère et ma soeur, le Seigneur nous aime tellement. Et c'est vrai, vous me direz que c'est un don. Mais regardez très bien comment les Saintes Écritures nous apprennent les choses pour que nous puissions voir comment Dieu met ces choses à notre disposition. Dans le livre de Proverbes, je pense, entre chapitre 8 ou chapitre 9, regardez bien. Il dit ici, je pense, Proverbes, je suppose que c'est cela. Nous allons probablement le trouver. C'est que... C'est Ritus, c'est cela, Ritus 9, voilà. Voilà. Alors, il nous dit ici, chapitre 8, verset 1, il nous dit, la sagesse n'écrit-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix, mais c'est au sommet des hauteurs près de la route, c'est à la croisée de chemin qu'elle se place, à côté des portes à l'entrée de la ville. À l'intérieur de porte, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que j'écris, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. » Vous entendez? Stupide, faites quoi? Donc nous pouvons apprendre. Ah bien sûr, il y a les dons de discernement, mais nous pouvons aussi apprendre. Mais bien sûr, mon frère et ma soeur, parce que par la parole de Dieu, nous arrivons à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais bien sûr que oui, mon frère et ma soeur, oh oui. Plus Dieu nous enseigne, plus l'Esprit du Seigneur prend le contrôle de notre âme, les yeux s'ouvrent, alors nous savons discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors nous pouvons comprendre qu'effectivement que ceci est la vérité et ceci n'est pas la vérité. Bien sûr, monsieur. C'est pour ça qu'il nous a dit que c'est lui qui a des oreilles entendre effectivement ce que l'Esprit dit donc aux églises. C'est pour ça que nous comprenons effectivement les choses, de telle sorte que le Seigneur nous a accordé cette grâce. Je donne juste un exemple. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on vous dit que, comme les autres églises, effectivement, que vous devez être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et pourquoi vous n'allez pas accepter de pouvoir vous faire baptiser en ce nom-là? Enfin, en ce titre, pardon, parce que ce n'est pas le nom, c'est les titres, effectivement. Pourquoi vous ne voulez pas aller vous faire baptiser dans les titres du Père, Fils et Saint-Esprit? Est-ce que vous avez compris? Ça, ce n'est pas un don. Est-ce que vous comprenez? Vous avez compris par les Saintes Écritures que le baptême dont ils font, effectivement, c'est dans les titres, mais les vrais baptêmes, c'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous savez discerner que quand ils disent ça, ce n'est pas la vérité, bien qu'ils peuvent vous le lire, que ceci n'est pas la vérité, et ceci est la vérité, donc vous savez discerner. Vous comprenez pourquoi il est tellement si important, mon frère et ma soeur, de pouvoir être très attentif, parce que ce n'est pas question de groupe.
Parce que vous savez aussi, mon frère et ma soeur, que même si vous vous faites baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que votre voisin l'a fait, votre voisine l'a fait, et toute l'Église l'a fait, cela ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Vous savez, dans les Saintes Écritures, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, nous lisons l'Écriture, il nous dit ceci. Remarquez bien, vous connaissez cela, mais je voudrais juste qu'on le lise encore un peu, et puis nous pourrons voir ce que le Seigneur fait. 1 Corinthiens au chapitre 12, il nous dit ici, Écriture. 1 Corinthiens au chapitre 12, il nous dit aussi, le verset, on va partir du verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez encore des païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Vous vous souvenez? Verset 3, il dit, mais c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, donc le Saint-Esprit, le dit Jésus à un terme, c'est impossible. Hein? Vous comprenez ce qu'il dit, non? Vous avez compris? Et puis il dit, et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Vous comprenez? Je l'ai toujours eu à pouvoir dire, mais tout le monde répète que Jésus est Seigneur. Parce qu'on l'a entendu de quelqu'un d'autre. Mais en fait, quand tu dis qu'il est Seigneur, tu répètes ce que quelqu'un t'a dit. Donc c'est lui qui l'a dit, lui il était convaincu qu'il était son Seigneur. Mais toi tu as répété, en fait ça n'a pas d'influence sur toi. Mais quand maintenant c'est Jésus a l'influence sur toi, tu as réalisé effectivement sa seigneurie à ton endroit, alors tu dis Jésus est vraiment Seigneur. Alors quand il devient ton Seigneur, les choses changent. Vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est là que nous comprenons aussi qu'effectivement, que les problèmes, c'est le cœur et ce que nous avons laissé entrer dans notre cœur. Ce qui est entré dans notre cœur va influencer toute notre vie dans la marche spirituelle aussi. Ah ben oui, si vous avez fait entrer vraiment Dieu dans votre cœur, l'influence sera aussi profonde. Pas de l'homme, mais l'influence sera de Dieu. Et si l'influence est de Dieu, vous serez vraiment très amoureux de lui. Vous comprenez? Donc, quand on est amoureux de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous n'allez quand même pas me dire que vous ne savez pas. Quand on est amoureux de quelqu'un, vous voyez, vous souriez parce que vous savez l'effet que ça produit. N'est-ce pas? Oui, c'est ça. Là. Alors, quand on est amoureux de Dieu, ça se passe comment? J'ai pas entendu des amis. Oui, mon frère et ma soeur. Non, il faut que nous considérons les choses de la bonne manière et à leur juste place. Et c'est comme ça que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir aussi faire son travail pour que nous ne puissions pas être de ceux-là qui disent nous savons de là, et puis là-bas nous ne croyons pas vraiment. Parce qu'il y en a comme ça. Ça me fait rire parce que. Nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Parce qu'il y a des choses, c'est vrai, qui sont tellement attristantes, mais et nous prions que Dieu nous aide. Nous prions que Dieu nous aide pour que réellement qu'il nous ouvre effectivement aussi les yeux, non seulement les yeux, mais les yeux du cœur. Vous connaissez, c'est Éphésiens, c'est écrit ça, c'est Éphésiens. On nous dit cela, hein, parce que bon, regardez bien comment il exprime cela dans les Saintes Écritures, je pense, c'est Éphésiens, oui. Chapitre 1, je pense que cela, oui. Je crois que c'est cela, oui. Oui. Éphésiens chapitre 1. Nous lisons à partir du verset. Verset 9. Éphésiens 1, verset 9, il dit : Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Vous vous souvenez ? Nous l'avons lu jusqu'à un certain verset, n'est-ce pas ? Je crois que c'était avant-hier, hein ?
Nous avons lu du verset 4, si vous vous souvenez. Nous soyons saints et irréprochables devant lui. Vous vous souvenez, quand on est parlé, on doit parler effectivement de l'image, n'est-ce pas? Il est l'image du Dieu invisible. Vous vous souvenez? La relation qui s'est passée, vous vous souvenez? Ok, alors, ici, nous lisons aussi, parce que jusqu'au verset 5, nous l'avons lu, dit, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 5. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est pas comme ça chez vous? Ok. Nous allons alors aller dans la même rubrique que vous. Cela est donc dans le livre des Éphésiens. Et c'était au chapitre 1 d'Éphésiens, et nous lisons le verset 5. Hein? Éphésiens. C'est ça, hein? Pardon. Éphésiens, pardon. Oh oui, c'est Éphésiens. C'est au verset 6 que nous étions. C'est ça? Il dit, oui, c'est ça. Verset 5. Donc, nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6, il dit, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. C'est ça, hein? En lui donc, nous avons la rédemption par son sang. Vous avez compris? La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Donc, Dieu nous a donné la sagesse. Vous comprenez ça? Bien sûr. Il nous a donné la sagesse. Parce que vous le croyez. Amen. Vous vous souvenez dans Job? Job chapitre 28. L'or, nous savons, le tire. Les diamants aussi, les pièces ici et cela. Mais la sagesse, d'où vient-elle? Vous vous souvenez? La Bible me dit, j'ai entendu parler... Mais n'est pas avec moi. Juste Job chapitre 28. Parce que nous devons comprendre ce que Dieu nous a donné, nous. Et pour être sûr aussi qu'il nous l'a donné. Parce qu'on peut se poser des questions. Hein. C'est quoi effectivement? Regardez Job au chapitre 28. Si je pense que c'est une scénario. Ça, voilà. Or, voilà. Vous permettez que je lise, n'est-ce pas? Verset 1, il dit, il y a pour l'argent une mine dont on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer s'étire de la poussière. Et la pierre se fond pour produire l'airain. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Et il est suspendu, balancé, loin des humains. Je pense, mon frère Zachée, je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Les frères ou les sœurs qui sont assis là, qui ne me voient pas ici, je voudrais, tu peux venir ici devant mon frère. Je pense que je vais demander à frère Zachée, trouve un moyen pour que peut-être que les chaises là soient déplacées, parce que je voudrais qu'on voie au moins tout le monde, parce que le béton ici, pour aujourd'hui, il est en train de cacher. Alors, tous ceux qui sont assis probablement là, qu'on mette peut-être les chaises là-bas, ou ici, quelque part ici, peut-être après la prédication, on changera. Je demanderais que vous passiez par ici pour qu'on se voie mieux. Parce que quand on est derrière le béton, parfois, on ne se voit pas tellement très bien, les sommets peuvent venir. On se met ce côté-ci. Voilà, pendant que cela, moi, je lis avec vous ici. Alors, vous avez... C'était 28, hein. Job 28, je pense. Hein? Voilà. Alors, il dit, on était au verset 5. Il dit, la terre nous sort le pain et bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Vous entendez? L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. Est-ce que vous avez compris? Donc là, on trouve de l'or. L'oiseau, quand même, ne va pas chercher de l'or. Donc il n'en connaît pas les sentiers, vous comprenez? Alors il dit, bon, l'œil du vautour ne l'a point aperçu. Le plus fier animal ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre les tranchées dans le rocher et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse... Où se trouve-t-elle?
Parce que l'or, on peut le trouver. Même si on peut prendre une chose dehors, enfin, si c'est difficile de prendre. Mon frère Zaché, même si c'est difficile de prendre les chaises, ça peut rester là, mais dehors, on peut prendre les chaises. Demande à un frère de t'aider, frère Obi, je ne sais pas qui c'est, mais t'aider à mettre quelques chaises là, et puis s'asseoir. Il n'y a pas de problème, dans mon bureau, dans le coin là-bas, il y a encore des chaises. On peut déplacer. Alors, écoutez, nous y sommes ici, le frère, il est ici. Attends, voilà. Mais verset 12, il dit, mais la sagesse, où se trouve? Où est donc la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît pas le prix et ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, on cherche où se trouve la sagesse et aussi où se trouve aussi l'intelligence. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre les précieux onyx, ni contre les saphirs. C'est quand même extraordinaire. Donc, effectivement, comme on dit, la sagesse ne peut même pas se comparer à l'or pur, à l'argent, à l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, effectivement, ni contre même les saphirs. Alors, elle ne peut même pas se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et les cristals ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. Mais maintenant, c'est tellement si précieux. D'où vient donc la sagesse? Parce qu'on a fouillé, on a regardé, on a demandé, il n'y a rien. Donc effectivement, que bon, l'or, on sait le trouver, mais partout on a posé la question, ben, ils ne savent pas où se trouve la sagesse. Vous savez, c'est que quand j'ai dit toujours ici, j'ai dit, c'est quand même extraordinaire. Verset 12, il dit, l'homme n'en connaît point le prix, et ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. C'est quand même extraordinaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Maintenant, on dit, maintenant, bon, d'où vient donc la sagesse? Où la demeure d'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Et le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. Il dit, mais c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit tout jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit donc à l'épreuve, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Oui, mon frère et ma sœur, le Seigneur nous a donné la sagesse. Le problème, c'est nous. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Que ce soit la sagesse, que ce soit les discernements, Dieu nous a donné. Nous l'avons entendu ici, même si nous n'avons pas le don de discernement, mais Dieu nous a appris à apprendre ce que c'est, à discerner les choses. La différence des choses, sans mon frère, sans ma sœur, tu peux le faire. Parce que Dieu t'a enseigné, puisque l'Écriture dit, ils seront tous enseignés de Dieu. C'est écrit comme cela. Ça, vous le croyez? Alors maintenant, regardons l'Éphésiens, nous lisons, effectivement, où nous étions, effectivement, ils disent ici, nous étions au verset 7. Hein. Nous relisons verset 7, il dit, donc, en lui, donc, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous avons compris, non? Nous faisons donc connaître le mystère de sa volonté. Quelle grâce! C'est vrai, non? Dieu nous a fait connaître. Parce que si le Seigneur attend que toi et moi nous fassions sa volonté, Dieu doit nous faire connaître quelle est sa volonté. C'est vrai ou pas? Toi et moi, nous sommes censés pouvoir connaître que la volonté du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas dire que, comme nous le disons, comme nous le croyons, en disant que bientôt nous allons partir, bientôt nous allons rentrer à la maison, c'est-à-dire que nous partons avec le Seigneur, puisqu'il a fait la promesse de revenir, mais que je vais partir avec le Seigneur dans l'enlèvement, sans réellement avoir accompli ce que Dieu attend de toi. Parce que ça, ce n'est pas moi qui dis. La Bible le dit. Les Hébreux le disent. N'est-ce pas vrai? Hébreux chapitre 10, il est dit, hein, je pense que nous l'avons déjà lu, je relis simplement, et il dit ici, Hébreux chapitre 10, effectivement, nous lisons ici à partir du verset 35,
verset 35, verset 36, Hébreux 10, verset 35, 36, il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, n'est-ce pas? Car vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc promis. » Ce qui nous est promis, c'est quoi? C'est ce qu'il est dit en dessous. Encore un peu de temps, un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Donc, c'est-à-dire que la promesse de l'enlèvement. Donc, pour que toi et moi, nous puissions prendre part à cela, eh ben, nous devons avoir accompli la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Autrement, si tu es toujours dans l'illusion, tu ne peux pas espérer. C'est que la Bible dit clairement, après avoir accompli la volonté de Dieu, eh ben, c'est ce qui est écrit ici, non? Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est donc promis. Donc moi, dans ma vie, je dois savoir quelle est la volonté de Dieu. Je cherche, je me bats, je dois quand même comprendre. Mais ce n'est pas moi qui dois deviner la volonté de Dieu. Il s'agit que Dieu puisse vraiment m'exprimer quelle est sa volonté. Et par quel moyen Dieu peut-il me le faire savoir, effectivement, mais par la prédication de sa parole. C'est pour ça que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors quand je sais que ça c'est la volonté de Dieu, je m'y accroche. Et c'est la parole de Dieu, je m'y accroche. Alors Dieu accomplit effectivement cela. Et ce qui est très important, nous retournons à l'Éphésiens. Alors il dit, nous faisons donc obéissance à sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé donc, qu'il avait formé donc en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient donc accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont donc sur la terre. En lui donc, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, toujours, hein, la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Quel bonheur, mon frère et ma sœur. Nous voyons que ça, c'est quelque chose, votre attention, s'il vous plaît, c'est quelque chose qu'effectivement, que qui ne peut pas se tromper et qui ne peut pas manquer. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Il faut qu'on sache cela. Le problème n'a jamais été avec Dieu. Le problème a toujours été avec nous. Vous remarquez très bien, frère et sœur, c'est question de pouvoir recevoir ce qui vous est donné de la bonne manière. Mais j'ai toujours eu à pouvoir vous dire, frère, vous avez tellement traversé des églises et des endroits, des doctrines qui ont été tellement semées, ont pris tellement des racines, que quand Dieu parle maintenant et place sa semence, c'est difficile. Ça veut dire que ça travaille d'abord effectivement ainsi. Et puis bon, commencez à vous poser effectivement des questions, parce que quand la parole de Dieu vient, s'il trouve une terre bien défrichée, elle produit ce que Dieu attendait. Le jour de la Pentecôte, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entendu la parole de Dieu. Vous vous souvenez, non? La Bible dit quoi? Si vous remarquez très bien comment les choses se passent, effectivement, bien qu'ils avaient été, effectivement, ils ont eu à pouvoir avoir des enseignements auparavant. Vous avez entendu ce qui s'est passé? La Bible dit que leurs cœurs furent vivement touchés. Ils ont vu Dieu en action. Ils ont posé la question. Maintenant, ils n'ont pas dit, bon, on va d'abord aller demander d'abord dans nos églises comment ça se passe, que c'est conforme ou pas. Là, sur place, quand ils ont entendu, effectivement, ils ont posé la question, mais, oh, homme, frère, que ferons-nous? Juste sur place, ils ont reçu, effectivement, la parole de Dieu. Ils ont accepté d'être baptisés, effectivement. Le Saint-Esprit a pris les dessus. Le grand problème avec vous, c'est les raisonnements, en fait. Vous raisonnez beaucoup et c'est le grand danger. Mais c'est ce que je peux comprendre effectivement aussi, parce que nous sommes à l'âge de l'Odyssée, l'âge où la connaissance a beaucoup augmenté. Et quand vous pouvez voir effectivement comment vous-même vous raisonnez effectivement en rapport avec les choses, c'est un âge tellement problématique et très très difficile. Frères et sœurs, recevoir le baptême du Saint-Esprit ne devait pas être compliqué. Non, vous me regardez, mais c'est 100% la vérité. Le Saint-Esprit, vous pouvez même le recevoir maintenant. Vous n'avez pas besoin de faire même un an, 10 ans, ou 2 heures, ou 3 heures. Non, ici, même aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Qu'est-ce qui vous empêche de recevoir? Mais c'est vous-même. Les raisonnements, il y en a des ceux qu'on les a enseignés. Oh, quand vous voyez quelqu'un faire comme ça, ce n'est pas des dieux, parce que, d'après ce que le prophète a dit, frères et sœurs, ils ont la théorie, mais jamais la pratique. Mais c'est sûr et certain, cela. Et quand on vous enseigne comme ça, vous risquez même de mépriser le Saint-Esprit qui agit. Comment toi, tu peux savoir ce Saint-Esprit, tu n'as jamais goûté ce que c'est? Beaucoup prêchent le Saint-Esprit, ils ne sont même pas baptisés du Saint-Esprit, parce qu'ils sont tous charnels.
Bousculez-le un peu comme ça, il devient nerveux. Faites un peu comme ça, il commence à te critiquer. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il ne peut pas critiquer. Il doit être spirituel. Parce que si tu as le Saint-Esprit, tu es spirituel. Donc tu dois conduire le peuple à recevoir. Le grand problème, c'est le peuple. Les prédicateurs ont détruit beaucoup de gens. Hein. Si aujourd'hui on voit des frères et des sœurs qui ne savent pas tellement faire la différence, pourquoi? Parce que celui-ci sort, il dit ça, celui-ci sort, il dit ça, effectivement. Et quand ça sort, effectivement, ça embrouille effectivement aussi. Et même ceux-mêmes que le Seigneur parle, effectivement, ils sont tellement accrochés dans leur pensée, effectivement, ils ne veulent même pas lâcher quelque chose. Parce que pour que le Seigneur puisse arriver à pouvoir faire quelque chose, il faut qu'il soit 100% dans la chose. Quand je parle dans la chose, c'est-à-dire que la parole doit être à 100% lui. Le Saint-Esprit ne peut pas venir sur des déchets, monsieur. Non, monsieur, le Saint-Esprit suit toujours la parole. Ma parole à moi? La parole de qui? Ah, alors, il faut que... C'est pour ça que vous avez remarqué que le jour de la Pentecôte, effectivement, les apôtres n'avaient pas leur parole. Ils avaient la parole du Seigneur. Bien sûr, le Saint-Esprit est venu sur la parole parce que c'est lui qui donne la vie dans la parole. Voilà pourquoi, frères et sœurs, après avoir entendu la parole de la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, c'est ça le but. C'est la raison pour laquelle Dieu envoie la parole. Cette parole, il l'envoie pourquoi? Il l'envoie pas pour rien comme ça, parce que quand chaque fois que Dieu parle, effectivement, il y a toujours un but. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et il existe. Donc, si c'est la parole de Dieu, effectivement, alors il doit produire. Vous savez, j'ai toujours eu à pouvoir le dire ici. Nous restons un tout petit peu. Regardez très bien, frères et sœurs, pour que vous compreniez. La parole qui est apportée par les pentecôtistes, ou bien les méthodistes, va produire certainement des méthodistes. Parce que l'esprit qui est dans cette parole est l'esprit des méthodistes. Fera de vous que quand vous le recevez, vous agirez comme un méthodiste, sans même le vouloir. Mais vous devenez un méthodiste. Évidemment aussi, si vous êtes peut-être des ménonites, vous serez comme des ménonites. Comprenez bien cela. C'est parce que ça doit vous faire agir comme des ménonites, effectivement. Puisque ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un mélange. Il y a un autre esprit qui rentre là-dedans, effectivement. Vous la croyez, vous, ça, effectivement, vous devenez comme cela. C'est aussi la même chose aussi. Je vous dis, effectivement, les Branhamistes aussi, ils ont une parole qui dit, ah, le prophète a dit, en fait, ce n'est pas ce que le prophète a dit. On a insufflé un esprit d'interprétation dans les choses de Dieu. Alors, vous ne voyez pas. Hein? Alors, ça produit, effectivement, aussi les Branhamistes. Vous avez remarqué, effectivement, que quand vous marchez dans la rue, effectivement, vous regardez la personne, vous dites, celui-ci, un jour, je voyageais. Ou ne vous soyez pas offusqué. Que vous savez que je voyage beaucoup. Je voyage, je ne sais pas, je pense que dans quel pays je partais. Je ne sais plus très bien dans quel pays. Mais je crois, alors, je suis arrivé à l'aéroport. C'était un pays d'Afrique. J'arrive à l'aéroport. Et là, je pense que je devais changer d'avion. Je vois un couple. Peut-être hollandais. C'était un monsieur et une dame. Et venez donc marcher. Et là, à côté. Et puis, bon, moi aussi, j'étais ici à côté. Puis, j'ai tourné mes regards, je les ai regardés. J'ai vu que ils étaient quand même un peu différents. Je regardais encore, mais j'ai dit, c'est si je pense que ils doivent avoir quelque chose avec le message. J'étais debout, je regardais. Je ne les connaissais pas. Évidemment, quand je suis rentré, j'étais invité là-bas. C'était en Allemagne. Et j'arrive là-bas. Et bien, je retrouve la même dame avec la même personne. Ouh, frère, s'il y a quelqu'un qui s'accroche au tonnerre dans cette ville ici, qui aime bien vraiment parce que lui... Il n'y a pas autre chose que les tonnerres qui lui importent, effectivement, c'est bien lui. C'est lui que tu vois qui est. Eh bien, c'était la personne que j'avais rencontrée sur le chemin. Ça veut dire quoi, en fait? Vous serez étonné en disant, mais frère, quand même. Non, mon frère. Quand vous avez cru quelque chose qui a une déviation, vous avez un esprit dévié. Si vous regardez ce qu'on appelle l'essai du dernier jour, les Mormons. Vous suivez, regardez ici, frère.
Vous êtes venu ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Je crois que Dieu a voulu que vous soyez là. Ne vous fâchez pas. Si vous vous fâchez, ce n'est pas contre moi, contre Dieu. Alors, vous connaissez les mormons? Quand vous regardez les mormons, ils vous dégagent autre chose. Vous savez que ceux-là, c'est les sept derniers jours des mormons. Les témoins de Jéhovah, la même chose. Et ici, ce qui se passe, ce que vous direz, mes frères, ben, ils ont quand même cru le message. Mais en fait, oui, ils dégagent justement ce qu'on appelle l'esprit du message. Quand vous le voyez, je crois que vous aussi, quand vous voyez cela, vous avez remarqué une fois, les gens disent, oui, mais vous êtes des Barnabas, effectivement. En fait, vous avez entendu? On ne dit pas que vous êtes des chrétiens. On dit que vous êtes des Barnabistes. Il faut toujours faire attention. Il ne faut pas m'en vouloir, mais c'est pour que vous compreniez la différence, effectivement. On devait vous regarder et dire, oh là là, ça c'était un chrétien. Celle-ci, c'est une chrétienne. Parce que le message nous conduit à être des chrétiens. Pas à être des Barnabistes. Parce que si on est Barnabistes, ben c'est l'esprit de William Branham qu'on est en train de pouvoir insuffler dans les gens. Okay, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que nous devons comprendre que... C'est pour ça que quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous ne pourrons pas être des Barnabistes. Non, parce que le Saint-Esprit ne peut jamais te conduire, en fait, dans un système ou dans un esprit qui n'est pas l'esprit de Christ. C'est pour que vous compreniez très bien ces choses. C'est nécessaire. Parce que quand vous battez la partie, ah, quand on dit, nous sommes Barnabas, gloire à Dieu, nous sommes dans le message. Non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas dans le message. Comme vous dites effectivement, mais vous êtes effectivement dans un système. Parce qu'on vous catalogue déjà. Donc, c'est-à-dire qu'on ne dit pas que vous êtes des chrétiens, vous êtes des Branhamistes. C'est-à-dire que vous êtes dans un système des Branhamistes. Mais quand on vous regarde, effectivement, quand on voyait Antioche, on n'a pas dit ce sont des paulistes, ce sont des piéristes, ce sont des janistes. Non, ce sont des chrétiens. C'est d'ailleurs ça le but de ce message du temps de soir. Et quand les gens nous regardent, ils ne disent pas des branhamistes, mais des chrétiens. Parce que c'est comme cela, comme il a chanté l'ancien évangile, hein? Donc comme cela, revenant effectivement comme aujourd'hui, mais ils sont comme au jour d'autrefois. C'est la Pentecôte, effectivement. Et c'est cela, effectivement, la vie du croyant. C'est pour ça qu'il dit ici, effectivement, que après avoir entendu la parole de la vérité, c'est la chose que nous devons bien comprendre, mon frère et ma soeur. Parce que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, je suis le chemin. Ah, personne ne peut être la vérité. Moi, je ne le suis pas. Il n'y a qu'un seul qui est la vérité. Donc, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est-à-dire que l'évangile de qui? L'évangile de Christ. C'est cela, dit, c'est comme l'apôtre Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. On n'a pas besoin que les hommes connaissent, non, non, ce n'est pas nécessaire. Non, moi, je ne suis pas mort pour toi. Il dit, mais nous nous prêchons. C'est écrit, hein? Je crois dans Corinthiens, je pense, hein, si vous vous regardez effectivement cela rapidement, je pense que en Corinthiens, ou en Corinthiens, je pense que tout cela, je vous ai aussi, on peut trouver cela, hein, 006, c'est que, et on dit Corinthiens, 4, 6, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, voici donc, attendez un instant, je dois d'abord trouver l'écriture, effectivement. Voilà, merci. Oh, que Dieu te bénisse. 1 Corinthiens 4. Merci, mon précieux frère. 1 Corinthiens 4, merci beaucoup. C'est 2 Corinthiens 4, pardon. 2 Corinthiens, je dis dans 1. 2 Corinthiens, chapitre 4. Il nous dit, je peux commencer au verset 3. Hein? Verset 3, il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Merci beaucoup. Nous ne nous prêchons pas. Qu'est-ce que nous prêchons? Ah ah, les seigneurs que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus.
Voilà, c'est cela que nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'évangile de Paul ou de Pierre. Non, monsieur, il s'agit de l'évangile de Christ. Et c'est Christ que nous prêchons. Et comme il a dit, je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ lui-même crucifié. Alléluia. Donc c'est cela que nous, et comme il dit, nous voulons amener toute pensée, toute personne à l'obéissance de Christ. Enfin, c'est cela que là, l'objectif effectivement de la parole de Dieu, comme nous le disons effectivement ici, après avoir entendu vraiment la parole de la vérité, effectivement, nous remarquons quelque chose de très important. Il dit, nous avons été, je suis déjà dans Éphésiens, dans Galates ici, dans Éphésiens. Nous remarquons quelque chose de très important ici, il dit... Il dit, oui, verset 19, ah oui, il dit donc, en lui donc, verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez donc cru. Vous comprenez cela? Donc, votre foi est fondée sur lui. Nous avons donc cru en lui, effectivement, et la foi, elle est profonde. Alors, il dit ici, non, vous avez cru, et cela dit, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ça, c'est vraiment la volonté parfaite de Dieu, le désir profond de Dieu, ce que celui qui entend la parole de Dieu et qui croit effectivement au Seigneur, il reçoit le pardon de ses péchés. Et s'il croit qu'il a reçu le pardon de ses péchés, cet homme est justifié. Ah oui, alors là, qu'est-ce qui se passe effectivement? Ah ben, le Saint-Esprit vient pour pouvoir maintenant sceller ce que la personne a. Est-ce que vous comprenez? Bien sûr qu'on passe par la sanctification. Mais comme vous vous souvenez, les jours où l'apôtre Pierre était à la maison de Corneille, il a prêché l'évangile, et quand ils ont entendu que le pardon a été accordé, en croyant seulement cela, le Saint-Esprit est descendu. Et après, ils ont eu le baptême. Donc Dieu fait tout en une fois. Il peut faire tout ce qu'il veut. On ne le contrôle pas. On ne l'enferme pas dans une bouteille. On le laisse seulement dans son expression. Comme... C'est le fait d'avoir enfermé dans la bouteille qu'ils l'ont manqué, en fait. Mais nous ne voulons pas manquer Dieu. Nous voulons le laisser effectivement dans son expression, mais qu'il le ramène toujours dans les saintes écritures. Et c'est important, mon frère et ma soeur, parce que si nous écoutons aujourd'hui l'évangile, nous ne voulons pas ressembler aux mormons, nous ne voulons pas ressembler aux pentecôtistes, nous ne voulons pas ressembler aux baptistes, ni aux barnabistes, effectivement, nous voulons ressembler à Christ. Donc c'est-à-dire que nous voulons avoir l'esprit de Christ en nous, c'est-à-dire qu'effectivement que le baptême du Saint-Esprit, que Christ vienne en nous comme il est venu dans les apôtres. Parce que les apôtres n'ont pas connu un autre. C'est pour ça qu'il disait, mais nous ne connaissons personne d'autre, ce n'est que Christ lui-même. Donc il est absolument important que nous sachions où est-ce que nous en sommes. Et qu'est-ce que nous recevons effectivement comme... C'est lui qui doit... Alors il dit ceci, effectivement, nous continuons à dire. Il dit, vous avez donc qui avait été promis, lesquels est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est important? Parce qu'il est parlé de la rédemption. Il est parlé de la rédemption. Donc la rédemption, ça veut dire qu'effectivement que... Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous comprenez ce que veut dire la rédemption? Sinon, je vais vous lire ici, clairement dans les Saintes Écritures, je pense que dans les livres d'Apocalypse, il est dit ici, Apocalypse au chapitre 3. 5, c'est cela, oui. Apocalypse chapitre 5, nous lisons avec vous ici. Allez, voilà. Voilà. Verset 8. Vous connaissez le contexte, non? Quand donc il eut pris les livres, n'est-ce pas? Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe de coupe. Et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont donc les prières de saints. Vous comprenez, non? Parce qu'ici, vous comprenez quand on pose la question, hein? Et quand il y prit les livres, les quatre êtres vivants, vous suivez? Et les 24 vieillards se prosternèrent devant qui? Alors, vous savez, quand on parle de l'agneau, c'est en rapport avec quoi? Vous comprenez? Bon, alors en parlant de cela, il y a une petite brochure qui a été... C'était en fait la question d'un frère, un pasteur, qui voulait avoir effectivement des éclaircissements sur ceci. Ça a été terminé, le frère Zaché et notre sœur ont travaillé pour pouvoir l'achever. Vous pouvez demander
à notre frère. Vous vous comprendrez aussi parce que là-dedans, il y a une partie de la rédemption en rapport avec cela. Et quand vous le prenez, prenez-en soin, parce qu'on m'a fait la remarque, on imprime, on paye beaucoup d'argent, mais les frères et sœurs viennent, ils prennent, quand ils lisent, on le fait comme ça. C'est un travail qui a été fait par beaucoup, enfin, des heures de vos frères et sœurs, ici, tantôt, parce que je dois les amener en Côte d'Ivoire, effectivement, parce que c'est là qu'ils attendent, effectivement. Donc, c'est important que quand vous prenez, pensez que beaucoup ont travaillé dessus. Si vous voulez lire, prenez. Si vous ne voulez pas lire, ne prenez pas pour jeter à la maison. Prenez pour quand même prendre soin. C'est ceci, donc, Frère Zaché va s'occuper de ça. Alors, regardez bien. Ici, donc, il dit, c'est ça, oui. Voilà, c'est 8. Alors, il dit, verset 8, nous avons dit, donc, il dit, verset 9, il dit, il chantait un cantique nouveau en disant, écoutez bien, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as fait quoi? Par quoi? De quoi? Voilà, la rédemption, c'est le rachat. Est-ce que vous comprenez? Donc il a racheté. Vous remarquez très bien comment est-ce que l'Écriture clarifie effectivement ceci, des hommes de toute nation. C'est important de comprendre l'Écriture, effectivement. Alors, ici, donc, nous lisions dans les Saintes Écritures, comme nous étions de lire dans le livre de... C'était dans Éphésiens, n'est-ce pas? C'était Éphésiens, non? Ok. Donc, nous étions au verset, je pense que nous avons lu les versets... Verset 14, c'est ça, non? Ok. Verset 14, il dit, donc, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc, il faut un gage, effectivement, pour que toi aussi, tu puisses avoir cette assurance que les rachats me concernent aussi. Parce qu'on dit bien ici, hein, on dit que lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Dieu a payé, effectivement, donc c'est dit que nous lui appartenons parce qu'on a payé les prix. Vous vous souvenez ici quand même, quand nous avons parlé effectivement en réalité que c'est que cela que ça a coûté en fait. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Bon, alors nous continuons. Alors il amène à très bien. Il dit ici, le verset suivant, il dit, verset 15, il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant donc entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre charité pour tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et ceci est clair, hein? Je relis encore pour que vous compreniez très bien. Et il dit ceci, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur, votre foi toujours au Seigneur, pas dans les hommes. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur l'a dit, que tout homme soit reconnu pour, que Dieu seul soit reconnu pour, donc notre absolu n'est jamais un homme. Ni ce qu'un homme a dit. Notre absolu, c'est ce que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Alors maintenant, regardez très bien pour que vous se compreniez encore mieux. Il dit, mais, donc il dit, donc, votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints. Alors quand on parle de charité, on parle de l'amour, non? Donc, il est impossible, mon frère, que tu sois scellé du Saint-Esprit, que tu n'aies pas l'amour à l'endroit de tes frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? L'égoïsme ne fait pas partie du peuple de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit vient, tu as été racheté, mais tu es vraiment racheté, c'est qu'effectivement que Dieu t'a nettoyé, ce que maintenant ce sont les sentiments de Dieu qui se manifestent. C'est ça en fait que vous devez toujours voir, parce que, vous savez frère, ce n'est pas, j'ai cru au message, j'ai toujours eu à pouvoir les dire, effectivement, les répéter, et c'est ça qui me cause des problèmes dans tout l'endroit, c'est que l'effet de croire le message ne signifie rien. Ce n'est pas un gage de votre salut, ni un gage de votre enlèvement. Ce que si les gens vous disent ça, on vous a trompé. On vous a vraiment trompé. Ah, j'ai cru un message, après, ça veut dire que je suis sauvé. C'est comme les gens qui lisent là, bon, et qui disent aussi, parce qu'il y a une doctrine qui est sortie après avoir lu, c'est dire, oh, comme nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons entendu le message, nous avons cru, alors nous avons les baptêmes du Saint-Esprit. Non, monsieur, il y a une différence. Tu crois, et puis tu expérimentes le baptême du Saint-Esprit. Le jour où Pierre est allé dans la maison de Corneille, ils ont entendu la parole de Dieu. Et puis le Saint-Esprit est venu. Il ne faut pas dire, oh, nous les païens, nous avons entendu, alléluia, gloire à Dieu, nous avons le baptême du Saint-Esprit, alors que le Saint-Esprit n'est pas descendu. Est-ce que vous comprenez? Ils ont entendu, Dieu a confirmé que vous avez vraiment cru de la bonne manière, alors je scelle la parole.
C'est pour ça que le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est aussi la même chose, effectivement, avec nous. Donc nous devons bien comprendre les choses, effectivement, pour que nous puissions être rassurés. Pas marcher comme ça, en train de dire non. Je dois être sûr et certain de où je vais. Amen. Et aussi la manière dont moi j'avance. C'est pas parce que toute la foule dit comme ça, non, je dois m'arrêter. Il dit non. Je dois m'examiner. Est-ce que je suis comme cela? Je vais y arriver, peut-être si Dieu nous donne le temps. Regardez bien, est-ce que je suis vraiment arrivé comme cela? Je ne peux pas marcher comme ça, il faut que je me pose la question. C'est nécessaire. Alors nous continuons rapidement. Alors il dit pour rendre grâce, il dit, en fait, c'est, voilà, votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, vous suivez, et de révélation. Et vous comprenez bien, parce qu'on parle de la révélation. Donc, là, nous ramenons encore dans les Saintes Écritures, où le Seigneur a dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, tu les as révélées aux enfants. Alors, vous devez savoir, effectivement, comme nous comprenons, que ce n'est pas que tu as eu à pouvoir lire la révélation que quelqu'un a reçue, que tu dis que j'ai la révélation. Non. Il faut que le Seigneur lui-même te révèle aussi la chose. C'est aussi une action aussi individuelle avec Dieu. C'est comme nous l'avons entendu. Peut-être si tu vas être baptisé parce que tout le monde a dit « je vais être baptisé parce que je crois cela », tu le fais par influence, ce qui veut dire que ton baptême n'est pas valable. Parce que la Bible dit que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc tu dois t'engager, tu dois comprendre. Non, ça vraiment, je suis convaincu. Et ça, c'est vraiment la vérité. Pourquoi? Le Seigneur s'est révélé aussi à toi. Oui, monsieur, quelque chose qu'on fait sans conviction, c'est un péché. Même si vous croyez les messages sans conviction, c'est un péché. Oh, frère, c'est quand même fort, mais c'est vrai. C'est pour ça que la plupart du temps, les gens vous balottent à gauche et à droite. Non, je dois comprendre. Mais maintenant, il faut que le Seigneur vous accorde la grâce parce que vous pouvez aussi croire les choses qui sont erronées, comme les tonnerres qui sont révélés. Parce qu'on a dit, effectivement, vous le croyez, il y en a de ceux qui bordicusent, qui mangent parce que les tonnerres sont révélés. Vous savez, comme je l'avais rendu un témoignage ici, c'était le frère de l'Angola, vous connaissez cela, non? Ce n'était pas moi. Vous suivez? Amen. Vous êtes fatigué? Non. Vous voulez qu'on continue? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors le frère là avait cru au tonnerre. Il a mangé, il a avalé tout ce qu'on lui a enseigné, effectivement. Mais les pauvres, parce que c'est les prédicateurs qui l'enseignent. Il boit tout. Mais il n'a pas eu à discerner quand même. Quand on se loigne de la source, effectivement, on peut avaler n'importe quoi. Mais quand on reste attaché à la parole de Dieu, on discerne. Extrapolons, cette doctrine-là de tonnerre, effectivement, a été prêchée dans une province, en Afrique. Dans cette église, effectivement, il y avait une maman assez âgée. Je ne vais pas tellement très bien lire, mais l'écouter quand même. On a prêché. Et c'était un frère, vous savez, quand ça a commencé à pouvoir prêcher. Au début, il n'y avait pas de tonnerre, mais c'est après que les tonnerres sont venus. Toujours sous prétexte que révélation divine. Ça, c'est révélation des démons, en fait. Oui, ça, je l'ai dit encore tout haut. Vous pouvez. Je l'ai dit, beaucoup de gens écoutent, je dis, c'est la révélation des démons, pas la révélation de Dieu. Non, messieurs. Non. Et mais regardez bien, la maman était une vieille personne âgée qui ne savait pas lire, mais écoutait la parole de Dieu, qui a cru à la parole de Dieu, qui a reconnu effectivement ce que Dieu fait dans ces temps, bien sûr. Mais quand on est venu avec les tonnerres, on a prêché, presque toute l'assemblée a cru. Parce qu'on disait, le prophète avait reçu la révélation, le prophète avait dit effectivement. Mais moi je me suis toujours dit, mais si le prophète l'a dit, dites-nous ce qu'il a dit du tonnerre. C'est une révélation. Bon, on voit des révélations, mais révélations. Mais quand même, quand on parle de la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur, la Bible le montre quand même. Amen. Ah ben non, la révélation de tonnerre, montrez-les-nous quand même. C'est une révélation. Alors si c'est une révélation, donc ça reste à Dieu. Ah ben oui, parce que si Dieu ne l'a pas révélé, c'est à lui. Mais ce qui est révélé, donc c'est à nous. Alors si il t'a révélé, alors dites-nous ce qui nous a été révélé. Oh, c'est une révélation. Donc c'est une révélation, ça reste entre les mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait, le problème. Alors, on a prêché. Et tout le monde de l'excitation, en fait, il m'a dit, oh, l'assemblée entière, y compris, je ne sais pas, ils ont cru, plus ou moins une grande partie, ils ont cru. Et puis, on regarde la maman qui était toujours là, la tête baissée. Elle dit, maman, alléluia, Dieu nous a visités. Il dit, nous a visités dans quoi, monsieur? Elle dit, mais les tonnerres sont révélés. Il dit, mais... Et la maman dit, bon. Vous savez, depuis, je viens toujours, quand la parole est prêchée, j'ai dit, merci Seigneur, parce que ça rentre. Mais depuis que vous avez prêché, vous, messieurs, c'est pendant, vous avez parlé de tonnerre, j'ai fait un effort, mais ça ne rentre pas.
Je fais tout ce que je peux faire pour que cet honneur en question rentre. Je ne vois pas le chemin. Ça ne rentre pas. C'est bloqué. Que voulez-vous que je puisse faire? Maman, crois. Dieu est venu, je me dis, mais je veux bien, mais par où ça va passer? Ça ne passe pas. Mais c'est normal, monsieur. C'est normal, mon frère, c'est normal. On ne peut pas faire passer les saletés. Les filtres d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme saint. Vous comprenez? Donc, je pense qu'un croyant, un véritable enfant de Dieu, il doit rester dans la vérité, mon frère. C'est la vérité qui nous conduira dans la vérité. C'est la vérité qui va nous sanctifier. Les erreurs nous conduiront d'erreur en erreur. Et quand on est plein d'erreurs, on ne sait plus voir la lumière. Or, la lumière apparaît. J'ai été né dans l'iniquité. Ah, je crois que c'est gagné. Sans savoir. J'étais perdu dans ce monde, sans valeur et sans espoir. Quand la lumière apparut, j'ai pu voir ma nature. Ah, merci beaucoup. Vous chantez sans vous rendre compte. Quand la lumière apparut. Mais on nous a dit qu'au temps du soir, la lumière paraîtra. Nous sommes enfants de la lumière et du jour, non. Mon frère et ma soeur, ne jouez pas avec votre vie. Ne laissez pas votre vie entre les mains des hommes que Dieu n'a même pas appelés, qui ne connaissent même pas Dieu. Frères et sœurs, c'est dans ces temps ici que vous, enfants de Dieu, vous devez être exigeants. Exigeants de pouvoir savoir. Et puis, on dit ici, effectivement, mais vous les avez éprouvés. Vous les éprouvez quoi? Par les dons qui peuvent vous dire non, par la parole. Ce que les apôtres ont dit, c'est que je n'ai pas vu l'apôtre Paul nous parler effectivement des tonnerres. Je donne un exemple. Hein. Oh, vous direz, c'est un dernier temps, les mystères. Non, frères et sœurs, pour l'amour de Dieu, plaçons les choses à leur juste place. Les tableaux doivent être placés à sa place. Il faut que, c'est là que je parlais effectivement, que sinon quand vous mettez les morceaux comme ça, vous allez trouver qu'au lieu que la vache tire la charrue, eh bien c'est la charrue qui tire la vache. Vous pouvez lire, mais c'est vrai. Il y a un problème parce que vous mettez les morceaux à la place qui n'est pas là en place, puis ça donne un peu à la vache. Oh, nous avons placé la vache, puis regardez bien l'image. Oh, regardez bien, très bien, frère. Qu'est-ce qu'il va me dire? Mais c'est pas possible. T'as pas vu que la vache est en train de tirer, non, les charrues, elle est en train de tirer la vache. Ah, frère, dis-le, regarde. Oh non, ce dis non, regarde bien. Il ne veut plus regarder bien, dis-le, regarde bien. Ici, c'est la charrue qui tire la vache. Alors que la vache tire la charrue. Comment est-ce que ça va marcher? Est-ce que vous comprenez? Non, mon frère et ma soeur. Il s'agit de votre destination. Il s'agit de se traiter durement, comme l'apôtre Paul dit, pour savoir effectivement où est-ce que j'en suis. Parce que depuis que j'ai cru quand même, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit, l'expérience du Saint-Esprit, je l'ai. Et vous souvenez, frère, dans les Actes chapitre 19, je pense. Et quand l'apôtre Paul arrive à Éphèse, souvenez, c'est pour ça, quand vous écoutez la parole de Dieu, faites attention. Vous rentrez à la maison, vous méditez, vous lisez, vous vérifiez effectivement avec les Saintes Écritures ce que vous entendez. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a trouvé les disciples là-bas, non? Quelle est la question qu'il leur a posée? Ah, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur le suite? Vous voulez qu'on lise, hein? Lisons là, hein, finalement, ici. Acte 2. Voilà. 19, verset 1, il dit. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva donc à Éphèse, ayant donc rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Vous avez compris? Donc, lorsque vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ah, c'est la question qu'il a posée. Parce que, frères et sœurs, et avec l'évangile de Christ, mon frère, c'est cela la grande tristesse, effectivement. On a trop mélangé. Mais si on laissait l'évangile comme elle était, le Saint-Esprit suivait. Nous croyons, nous expérimentons le Saint-Esprit. Ah oui, c'est cela. Je dis, mais nous n'avons même jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais c'est sûr et certain. Il dit, mais quel baptême avez-vous donc été baptisé? Vous avez reçu pour que vous n'ayez jamais entendu parler. Qui vous a donc baptisé? Est-ce que vous comprenez? Ah oui. On a beau pour vous prendre effectivement, saut tel, mystère tel, mais vous m'emmenez dans le mystère, dans le saut, je n'ai pas encore été scellé.
Oh, alléluia, les mystères sont télévisés. Donc, non, gloire à Dieu. Et on a vu l'antéchrist. C'est bien, on a vu l'antéchrist. Mais toi, tu es où par rapport à l'antéchrist? Laissons. Non, monsieur, le Saint-Esprit d'abord. Quand j'ai le Saint-Esprit, je comprends maintenant l'importance du son. On a poussé trop la connaissance, on a mis l'expérience à part. Monsieur, je veux l'expérience avec Dieu. Alors la connaissance aura sa juste place. Parce que la connaissance est l'enfant. C'est pour ça qu'on a beaucoup de frères et sœurs orgueilleux dans le message. Il vous écoute là, il dit, oh, il n'a même pas cité les prophètes. Oh, oups. Ça veut dire l'orgueil en fait. Et ils croient que vraiment ils ont la connaissance. Non, en fait, les diables se jouent d'eux, en fait, effectivement. C'est pour ça que nous lisons les Saintes Écritures, vous voyez. C'est parce que c'est ça la tactique de l'ennemi, en fait. Vous avez le temps? C'est ça la tactique de Satan, en fait, effectivement, aussi. Faites attention. Il est tellement mauvais, malin, rusé, effectivement. Mais c'est pour ça que le Seigneur, lui, il nous apprend les choses, effectivement, pour que quand nous écoutons attentivement, nous comprenons bien que, oh Dieu, ici, on allait nous tromper. C'est pour ça que vous voyez, effectivement, que dans chaque âge, vous savez quoi? Le message est donné au messager. C'est écrit, non? Dit à l'âge de l'église, eh ben, comme à l'âge de l'Odyssée, vous connaissez aussi, non? Bien sûr que oui, puis l'âge donne. Quand il a donné, qu'est-ce qu'après dans l'âge on nous dit? Que celui qui a des oreilles entend ce que le messager a dit? Non. Vous voyez? Et pourtant le diable va bien vous pousser là-dedans. Mais dis non, que celui qui a des oreilles, c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas moi qui ai fabriqué, c'est écrit, parce que les gens me regardent, peuvent penser que j'ai envie de raconter ou d'ajouter des choses dans la Bible. J'ajoute rien du tout. J'ajoute rien. C'est simplement que nous voyons les choses claires pour que nous soyons sûrs que si les yeux se ferment, nous le verrons. Amen. Je ne veux pas perdre mon temps à des choses inutiles d'influence des hommes pour faire nombre avec les gens. Non. Quand je partirai. Merci beaucoup. Alors nous voyons ici, chapitre 2, verset 1, et qui à l'ange de l'église d'Éphèse. Vous comprenez? Nous voyons aussi au chapitre 3 aussi, effectivement aussi, verset 14, nous voyons cela aussi. Il nous dit ici, je pense que c'est cela, oui. Oh oui, c'est cela, oui. Et qui est allant de l'église de la Odyssée, n'est-ce pas? Et puis, nous pouvons les lire, hein, c'est cela aussi. Et qui est allant de l'église de la Odyssée. C'est bien le temps dans lequel nous sommes, non? Et qui donc allant de l'église de la Odyssée, n'est-ce pas? Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création. Donc le message est donné, n'est-ce pas? Donc le messager donne le message. À l'âge, n'est-ce pas? Et puis nous courons vite, effectivement, verset 21, toujours dans l'âge de l'Odyssée. Il nous dit ici, c'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon père sur son... Verset 22, il dit quoi? Entendre ce que le messager... Non, ce que qui? L'esprit. Ah! Il faut faire la différence. Le diable, lui, pensait pouvoir nous avoir. Ah non, monsieur, Dieu a veillé. Dieu est très sage. Il dit, maintenant, je vous dis, le messager a dit, il dit, non. C'est pas ce que le messager a dit que vous devez prêter attention, mais c'est que l'Esprit dit. Que Dieu te bénisse. C'est pour ça, il dit que tout homme soit connu pour menteur. Mais Dieu seul soit reconnu pour... Bien sûr, monsieur. Mon frère, quand Dieu a dit qu'il a vaincu Satan, il a vaincu. Même dans ses petites tactiques, effectivement, il faut que nos yeux s'ouvrent pour que nous puissions voir de la manière claire, parce que la victoire, ça, nous l'avons. Et pour cela, mon frère et ma soeur, pour l'avoir, il faut demeurer dans les choses que Dieu nous a données. Quand on a cette victoire avec ce que Dieu nous a donné, Satan ne peut pas nous mettre par terre. Non, mon frère, ce n'est pas possible. Il va essayer. Il trouve un homme qui est réellement... Parce que cet homme-là, il est bien équipé, monsieur. Vous savez comment il est? Eh bien, regardons Éphésiens chapitre 6. Celui-là ne peut pas le renverser, messieurs. Non. Il se tient sur la base, sur ce fondement-là. Ah, vous pouvez tout faire, vous pouvez tout bousculer. Jamais. Éphésiens au chapitre 6. Alors il nous dit ici, oh, que son nom soit béni. Verset donc, au verset 10, il dit, oh, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Oui, monsieur. Il dit, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mon frère ne peut pas être mon ennemi.
Non, ma sœur non plus. Non, même si il raconte pas, non, il sera toujours un. J'aimerais. Parce que la tactique du diable, c'est que oui, il ne croit pas. Non, 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 monsieur, moi je ne vais pas détester quelqu'un non aussi. Dieu m'a dit aime. C'est là ma victoire. C'est là ma force, effectivement. Je n'ai pas d'ennemi. S'ils me voient leur ennemi, moi je ne suis pas leur ennemi. Moi je suis pas. Je ne vois pas mon ennemi, je vois mon frère. Mais s'ils me testent sur son travail, mais moi je dois être dans la victoire. C'est important cela, mon frère, parce que le maître nous a dit, aimez ceux qui vous haïssent. C'est là la preuve que tu es un fils de Dieu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Cela témoigne que vous êtes l'enfant de Dieu. Ça veut dire que vous êtes parfait. Parce qu'aimer celui qui te déteste, tu es parfait. Ah bah oui. Il a dit, mais soyez donc parfait, comme votre Père est parfait. Bien sûr, monsieur. Je peux aimer quelqu'un qui me déteste. Alors c'est qui veut dire que je suis vaincu. Alors regardez, oui, il dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Il peut nous tromper, oui, c'est là, il t'a fait ceci, insulte, déteste les. Oh là là, ne fais pas ça. Tu vas tomber dans ce piège. Oui. Mais il dit, mais ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre l'autorité, contre les princes de ce monde, les ténèbres, contre les esprits méchants, où c'est? Voilà. Et puis nous continuons. C'est pourquoi? Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oh là là, je la serre, mon frère. Oh, gloire à Dieu. Elle est tellement bien serrée. Alors, d'où vient la fausseté, monsieur? Elle vient, j'ai dit, là dehors. Parce qu'ici, c'est bien serré. La vérité est serrée. Et je me tiens. Frère, gloire à Dieu. Oh, mon frère. Que Dieu nous aide. Que nous puissions réellement tenir. Enfin, écoutez bien. Il continue. Il dit, c'est là, oui. Pardon. Oui. Voilà. Il dit, revêtez-vous. Revêtez plutôt la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Frère, moi je ne peux pas aller à gauche et à droite apporter des troubles dans les églises, des divisions, des ceci et cela, sous prétexte que je prêche l'évangile. Jamais, monsieur, l'évangile qu'on apporte, l'évangile de paix. Ah oui, monsieur. Ah oui, monsieur. Non. Ne soyez jamais l'auteur d'avoir créé une division dans une église. Et puis tu vas quelque part, trouve un endroit, un garage que tu peins des cartons et puis avec du bois, puis tu dis, moi, je suis un serviteur de Dieu. Frère, vous suivez des personnes comme ça, ils sont sous la malédiction. Il y en a beaucoup comme ça. Et à cause des sentiments qu'on a, on dit, ah, c'est un frère, c'est un serviteur de Dieu. Non, il ne sert pas Dieu. Non, 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 non. Il ne sert pas Dieu, il sert son ventre. Non, il ne sert pas Dieu, mon frère. Et puis nous allons nous asseoir pour écouter ces personnes-là. Ils sont sous la malédiction, vous aussi. C'est vous-même qui allez vous mettre la corde autour du cou. Non, la Bible te dit à toi, mon frère, à toi, ma soeur, tu n'es plus dans l'église catholique, mais tu es dans la parole, tu es sorti de l'église catholique, Dieu t'instruit maintenant, non? Il dit, éprouvez les esprits d'abord. Je ne peux pas embrasser tout le monde, alléluia, on y va, tout va. Non, non, messieurs. Et puis en plus, que si je dois m'asseoir pour écouter, ça concerne mon âme. Alors, je ne vais pas jouer avec mon âme parce que c'est le cousin de mon cousin ou c'est le papa, de mon ceci. Non, monsieur, je vais être sûr que ça, c'est la conduite de Dieu. Parce que quand la situation viendra, dire, Seigneur, c'est toi qui m'y as conduit et c'est toi qui dois s'occuper de moi. Ce ne sont pas des gens qui sont avec vous comme ça, et puis il y a un problème comme ça. Ils disent, je ne savais pas que c'était comme ça. Ils sont partis. Ces personnes-là n'ont jamais été convaincues. Mais les personnes que le Seigneur a convaincues, vous aurez des situations difficiles. Ils seront toujours là. Amen. Amen. Ah, mais bien sûr, mon frère, ils diront, mais Seigneur, où irions-nous? Que ça bouge à gauche. C'est notre affaire, on doit combattre. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame, c'est notre affaire. Nous savons que Dieu est avec nous.
On peut avoir des situations, mais là, nous savons que l'ennemi a essayé d'entendre les camps. On repousse l'ennemi. Amen. Comment on fait? On se resserre encore. C'est la vérité, mon frère. Nous resserrons encore davantage. Alors, l'évangile, les écrits de l'évangile de paix, nous continuons et puis nous allons prier. Hein. Il dit, verset 16, il dit, prenez par-dessus tout cela. Par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Il dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Voilà, mon frère. Alors, quand Satan vient, il te regarde. Il dit, mais il a son armure. La vérité pour ceinture. Il y a le casque de salut, l'épée de l'esprit. Mais où veux-tu passer? Il fuit son chemin. Alléluia. C'est ça, un guerrier, monsieur. Un véritable soldat. Si tu es comme ça, mon frère, la victoire est à toi. Lève-nous.